Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un sixième épisode sur Zelda Skyward Sword HD. On va continuer donc l'aventure. On en était resté donc dans un nouveau lieu, les terres d'Ordine. Hein. Sur les terres d'Ordine, voilà, on était descendu à Ordine. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de continuer cette petite aventure. Enfin, cette petite aventure, façon de parler, cette grande aventure. Alors, donc là, c'est vrai que là, il fallait récupérer des fragments de clés. Alors du coup, on a récupéré déjà 3, il nous en reste 2. Alors, on va aller voir un peu par ici ce qui se trame, du coup, parce que... Bien joué, je passe en plein dessus, moi. Un gros, comme un gros débile. Donc ça, j'avais effectivement parce que ici il fait trop chaud, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on brûle. On brûle, on brûle. On va commencer par aller voir là-haut. Hop. Viens par là, toi. Mais bon, Osef. Est-ce que je peux aller jusque là-bas? Bien joué. Non, je peux pas aller jusque là-bas. Par contre, il y a plein de rubis là. C'est de les prendre. Ok. Alors, putain, l'audit est en train de boire. J'ai fait exprès de lui filer avant pour qu'il boive avant. Non, mais après c'est pas grave, mais c'est qu'on l'entend. Alors. C'est quoi ces crânes? Les rubis. Ah oui, là. Nice. Et ensuite... Alors ensuite là... C'est bon. Alors ça c'est pour remonter jeu, il me semble. Je vais revenir après, je vais déjà aller par là-bas. Ah non, c'est ici pour remonter. Alors, bah alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de retourner voir du coup ce qu'il y a là-bas. Moi, je vous dis, je me rappelle plus trop, hein, quelques trucs, mais. Alors là, voilà, on devrait avoir un fragment de clé. Ok, très bien.
Merde. Qu'est-ce que je fous? Ok. Nope. Ah oui, d'accord, ok. Alors du coup, on va revenir là-haut et puis on va aller faire de l'autre côté. Ouais, tant pis. Ok, nice. Ok. Ouah, c'était juste. Nice. Alors du coup, on peut aller la ramener. On peut aller ouvrir la porte. On va remonter. Passer par là. On va sauvegarder un petit coup. Ok, très bien. Parti donc pour notre deuxième donjon, les amis. Temple de la Terre. Un temple qui, dans mes souvenirs, j'ai beaucoup aimé. Bon, alors, du coup, c'est là qu'on va sauvegarder. Je sais pas pourquoi j'ai sauvegardé en haut, mais... Alors... Du coup... Mais nien. Un coffre rubis. 20 balles. Ok, très bien. On se refait vite en rubis, c'est bien. Alors c'est quoi le mieux? C'est, je pense, d'aller voir par là-bas déjà. Putain, vieux piège tout petit là.
Il est où l'autre là? Alors, il y a des tonnes de monstres partout, je peux même pas rejoindre mon pote. Je savais que j'aurais dû rester chez moi. Qu'est-ce que tu fais là? Décidément, tu choisis de drôles d'endroits pour chercher ton ami, dis donc. En parlant de ça, avant de venir ici, j'ai vu une blonde bizarre se faire enlever. J'ai pas vraiment pu l'aider, tu comprends, il y avait tellement de monstres. Une blonde bizarre. D'ailleurs, si tu tiens à sa vie, tu feras bien de te tailler toi aussi. Si tu tiens à ta vie. Non, mais moi je me taille pas. Je suis là pour aller aider et sauver Zelda. Alors on va aider et sauver Zelda. Du coup, je sais pas si c'est le bon plan. Si c'est bon, ok. Nice. Nice. Non. Dégage. Très bien, on continue. Délés Alphos. Ah, puis ils sont coriaces là-dedans. Merde. Très bien, alors du coup, merde, non, mais c'est pas ça que je veux. Mais dis donc. Ouais, ça fait rien. Ok. Parfait. Parfait, parfait. On va commencer par les Warla. Bien sûr. Mais non.
Nul, je suis nul. La carte ou une clé? Même pour un crâne d'or, ok. Ok, ok. Oui, bien sûr. Alors, on va aller par où? Par là-bas, peut-être? Sauvegarde? Elle va faire du bien, celle-ci. Ok, du coup, là... Là, on ne peut pas... Là-bas, il y a un coffre. Ok. Ok, 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 il y a un coffre là-bas. Non, 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 le cœur, je... Oh, zut. Oh, attends, déjà, on va faire ça, là. Tant qu'on est ici. Nice. Ok. Non, moi je veux descendre. Voilà. Une plume bleue. Ok. Je sais plus à quoi ça sert ces machins. Alors, on va passer de l'autre côté maintenant. Est-ce que je peux aller là aussi avant? Toi, tu dégages, merci. Ah, je trouve pas. Je trouve pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu fourrer? Je l'ai perdu en venant ici ou quoi? Ah, tu tombes bien, toi. Moi, c'est Ferug. Bon, on se connaît déjà. C'est pas le hasard qui nous fait nous rencontrer, j'en suis sûr. T'es venu m'aider à chercher mon sac de bombes. Hein. Ah, donc ça, c'est intéressant. Ok, du coup... On va aller de l'autre côté là. Si. Attends, il y a le cono là. Voilà. Alors. Donc là, il y a une échelle parfaite.
Anaïs. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Barren Space. Ok. Ah. Ok, mini-boss de Les Alphos. Ouais, vas-y, échauffe-toi bien, mon petit gars. Putain, la vache. Et deux. Merde, j'ai pas le cœur. Par contre, il y a ça qui est intéressant. Il est où? Ok, nice. Ok, donc là, je pense la carte, peut-être. La map. Ah non. Le sac de bombes. Oui, c'est vrai, le sac de bombes. Alors, on va aller lui montrer à l'autre, là. T'as retrouvé mon sac de bombes. Ouais, je te dois une fière chandelle. Allez, rends-le-moi. Hein? Tu veux que je te le prête pour que tu puisses continuer ton chemin? Ah ouais, tu disais que tu cherchais une amie à toi. Tu dois y tenir pour venir jusqu'ici. C'est à propos de mon pote. Il s'inquiète. Ah ouais, il se fait un sang d'encre, hein? C'est de ma faute encore. Tu dois aussi être très inquiet pour ton ami. Tu sais même pas si elle est encore vivante. Bon allez, je te donne mon sac. Et en fait, et fais-en bon usage. Ok, bah y a pas de problème. Par contre, ce qu'on va faire... doit être vide. Bah oui, je sais. Très bien. 10 bombes. Ah mais j'en ai que 5. Alors... voilà, on peut les ranger dans le sac de bombes. Voilà. Ok. Très bien. Non. Ok, merci, on a 10 bombes. Parfait. Alors, pour le coup... toi, tu dégages. Attends, parce que du coup, je peux pas passer par là, moi. Mince, c'était comment? Alors, attends. Je vais essayer un autre truc. J'ai rien dit. On va remonter là-haut.
Putain, encore un connard de les Alphos là. Ça, c'était sûr. Ils sont costauds, ces abrutis de lézard, là. Purée. Putain, mais nique ta race. Purée, c'est dingue ça. Eux, on peut les éclater avec des bombes. Si besoin. Non ! Putain ! Ok. La map là. Donc il reste encore un coffre. Par contre, là, les trois cœurs, bien, ouais. La carte. Alors, il reste encore un coffre ici. En hauteur, faudrait que je passe par là. Ouais. Ensuite, on va faire le tour. On peut récupérer le coffre. On active ça et après, on pourra y aller. Il restera un coffre à la fin. Sûrement la clé du boss. La salle du boss. Donc, ok. Faut que j'aille, c'est là-bas. Voilà, faut que j'aille là-bas. Du coup, let's go.
Merde. Merde. Putain, quel con. Je remets la map. Oh bien. Par contre, il y a un truc qui me chagrine, moi. Ah bon, bah ok. Il n'y avait rien d'autre, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. En fait, c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Nice. Hop. Zigouillé, toi. Tu me feras pluyèche. De rubis, je suis au max. Ça, c'est linéaire pour le moment, on avance bien. Donc là, on va attendre que l'autre il ait fini de cracher son salove là. Voilà. Ok. Alors ici, comme elle fait la lave, c'est incroyable. En fait, c'est easy. Les Alphos. Je
putain. Dégage. Oh purée. Ils vont me ficher la paix. Merci pour les cœurs. Ok, il y a un coffre là. Ruby, ben Osef. Pour le coup. Donc du coup, on revient bien. Ok, ici. Toi, tu me fiches la paix. Merci, bonsoir. Voilà. Alors, maintenant. Ah oui. Attention, attention, hop. Ça, c'est de la merde. Mais non ! Espèce de blaireau. Non. Putain, je fais la même connerie que tout à l'heure. On va partir plus là-bas. Voilà. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Hein. Je vois. Yes. Hop, 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 hop. Fais le plein, hein. Yes. Donc la salle du boss est là.
Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher la clé. Dans un premier temps. Bien évidemment. Non. J'y croyais que j'étais arrivé. Ok, parfait. Nickel. Alors, non, le tout, c'est d'y mettre dans le bon sens. Presque ça, mais c'est pas ça. Oui. OK. Let's go for the boss. Ok. Maître Feuille rapporte, l'aura de Dame Zelda est proche. Dame Zelda est attachée ici, d'accord. Comment on se retrouve? Oh. Quel rustre je fais? Ton nom m'est complètement sorti de la tête. À vrai dire, cela n'a aucune importance. Je suis quelque peu froissé, vois-tu. Alors que mes sbires viennent de mettre la main sur la prêtresse, je me rends sur les lieux, le cœur léger. Et qu'apprends-je? Et qu'apprends-je? Que cette satanée servante de la déesse, là encore une fois, sous-traite à mon emprise. Pourquoi faut-il toujours qu'on se mette des bâtons dans les roues? Qu'on me mette toujours des bâtons dans les roues? Alors que j'ai besoin de la prêtresse pour rappeler mon maître à la vie. Il le faut. Mais je m'emporte. Je vois à présent pourquoi je suis parti d'ici le cœur tranquille.
En fait, je n'ai aucune raison de rester calme. Je devrais même plutôt laisser éclater ma colère. Ouh, oh putain! Alors, c'est le Dharma. Alors, ce qu'il faut faire, faut monter, monter, monter. Vas-y, dégage. Merde. J'ai plus de bombes. Merde, putain. Je regarde. Ah bah j'ai le feu forcément que quand je touche une bombe. Une fois que t'as compris le pattern, ça va tout seul. Il va de plus en plus vite. Non.
Ok, très bien. Donc du coup, on recommence. Alors attention, attention, attention. Ouh, c'est juste. Putain, nique ta race. Faut rester sur le côté. Pas du tout, c'était de l'autre côté. Ok, nice. C'est tout? Dis donc. Là. Nice. Un pec. Ouais, un cœur en plus, cool. Alors, je vais me remplir les bombes déjà. Nice. Bah, Dame Zelda n'est plus ici. RIP. Ah si. Non, Dame Zelda, le temps n'est pas encore venu, et vous le savez. Link, pardonne-moi. Tu arrives bien tard, la déesse aurait-elle fait erreur en te choisissant? Crois-tu vraiment que tu pourras protéger Dame Zelda ainsi? Ma façon de parler te déplaît. Sans mon intervention, Dame Zelda serait aux mains de l'ennemi à l'heure qu'il est. Tu ne peux nier l'évidence. Tu n'es pas arrivé à temps. Tu n'as pas su la protéger. Mais quelle connasse! Dame Zelda s'en est allée accomplir sa destinée. Et lui, si tu souhaites réellement lui venir en aide, par tes propres moyens, tu devras te soumettre aux épreuves que tu rencontreras. Alors seulement tu pourras être utile à Dame Zelda, comprends-tu? Ben voyons.
Maître, c'est la langue que parlent autrefois les anciens dieux. Oui, bah, comme on l'a vu à Phiron. Je vais vous traduire leur message. Et donc la troisième et dernière stèle, du coup, pour aller en direction des terres de l'Anel. La stèle Ambre. Alors, parce que là, du coup, est-ce qu'on peut regagner les cieux? Oui. Mais par contre, on va s'arrêter là et on y fera la prochaine fois, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits likes, les commentaires, les abonnements. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!